Telles les saisons, la guerre revient toujours. Tous les 274 ans et demi, le mal se relève pour détruire tout ce qui vit. Orques et humains mettent alors leurs différends de côté pour protéger leur monde. Chaque fois, le mal fut défait. Chaque fois, la vie put reprendre son cours normal. Mais une erreur de calendrier a tout changé. Le mal surgit 2 années trop tôt, prenant les vivants au dépourvu. Nous n'étions pas prêts. Les écoles de magie furent les premières à tomber, plongeant le monde dans le chaos. Vos études finies de manière prématurée, vous êtes l'un des derniers gardiens d'un savoir incommensurable. Il vous revient de le préserver, mais surtout de le transmettre. Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors comme vous avez pu le voir avec la petite cinématique de début, on est parti sur une nouvelle aventure sur le jeu Spellcaster. Alors c'est un jeu où en fait on est le directeur en fait d'une école de magie, on recrée une école de magie. Et du coup, alors j'avais fait un truc, il n'y avait pas un truc continué Kyrios Academy, ouais bah c'est celle que j'avais fait en attendant pour tester le jeu. Alors en fait, comme je disais, c'est un jeu où on crée une école de magie, donc en fait on a toutes sortes de magies, que ça soit la magie noire, on va dire, hein, démoniaque, magie sacrée, de lumière, magie de nature, faire des alchimistes, etc. etc. C'est un peu comme, comme le film Harry Potter, c'est la même chose. On a différents styles de maisons, non pas vraiment style, plutôt on construit différents types de maisons. Alors les maisons en fait c'est, comme je le disais, c'est comme Harry Potter en fait, c'est Serpentard, et c'est quoi l'autre avec le faucon là, je sais plus, bon bah, peu importe en fait. Donc c'est ça, les maisons qu'on construit, ça va être ça. Donc il y aura différents types de maisons qu'on va construire. Alors, bon, on va continuer, hein, on va faire ça dès le début, on va reprendre, donc on va faire une nouvelle partie. On va faire la campagne. Alors, niveau de difficulté, donc on a novice, acolyte, sorcier, mage, archimage. Non, on va rester en sorcier. Difficulté, durée de la partie normale, très longue, marathon. Vitesse d'avancée des forces du mal, 15-15%. Donc ils avancent 15% moins vite, mais on a une vitesse d'apprentissage de moins 10%. Non, on va rester en normal. On va faire OK. Alors là, on va nommer notre le nom de notre université. Bon, bah, on va reprendre la même. Hein. Kyrios Academy. Là on va choisir notre blason, donc on peut soit, comme vous voyez, choisir la couleur, celui qu'on veut. Donc moi on va voir ça après, hein.
Voilà. Ouais, on va partir sur ça, hein. Un lion flamboyant. Ah, je dis flamboyant parce qu'il est jaune, voilà, c'est pour ça. Du coup, on va faire OK. Là, on choisit dans quel endroit on veut le créer, notre académie. Soit dans le village, soit près d'un lac ou dans la forêt. Moi, je dis un lac, ce serait pas mal. Quand j'ai testé, je l'avais fait dans le village, donc bon. Mais forêt, lac. Oh, on va faire lac. Bon, on va aller dans le lac. Ok, bon, hop, allez. Voilà. Une citadelle lacustre. L'île au milieu de ce lac sera idéale pour installer notre nouvelle université de magie. Nous serons parfaitement à l'abri des forces du mal. Cette université sera grandiose. Bon, le mauvais côté, c'est que les étudiants ont un sacré long trajet à parcourir pour se rendre au village le plus proche. Il faudra s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut dans l'école et il paraît qu'une bête maléfique rôde dans le lac, alors soyons sur nos gardes. D'accord. En fait, j'ai pas vraiment choisi le bon truc. Soit j'aurais pu rester dans le village et du coup ça aurait fait que mes étudiants peuvent aller beaucoup plus rapidement. Mais bon, c'est pas grave. Et là, il paraît qu'il y a une bête maléfique. Bon, je suppose qu'il y a une... Il y aura sûrement une quête. Et je parie que si c'était dans la forêt, ça aurait été la même chose. Donc, on est là alors. Alors, c'est quoi? Piocher la carte, salle de l'ombre et salle de lumière. On reçoit 200 pièces d'or. Piocher la carte nouvelle maison. Ah! Pour avoir quatre autres nouvelles maisons. Parce que là, du coup, j'ai une maison et j'ai deux autres nouvelles maisons qui sont là. Donc, que je pourrais créer. Comme je disais, c'est une nouvelle maison, c'est Serpentard, Poussouflard et Viens voir le Sissoflard. Donc, c'est tout ça. Et là, recevez, on gagne 100 en alchimie et 500 en arcane. Direct. Donc on pourrait recevoir directement là. Disons que là, piocher deux nouvelles cartes de maison, ça me sert pas à grand chose parce que j'ai déjà une maison et là j'en ai deux. Il y a une maison où je pourrais la spécifier dans un seul truc. Et les deux autres en magie, je pense qu'il y en a une qu'elle va partir en deck de la nature. Deck de la lumière, là on a des ombres, les arcanes, alchimie. Arcane et alchimie, je pense qu'on peut faire une seule et même maison. La deck de la lumière et de la nature, une seule même maison. Et deck des ombres, j'aurais bien aimé faire une seule. Nature, lumière. Du coup, ça me ferait plusieurs. Ça veut dire que j'aurais une maison générale. Donc là où je ne saurais pas trop quoi faire avec les étudiants, je les mets là. J'aurais une maison de la lumière et de la nature. J'aurais une maison... Ah non, ça me fera trop de trucs. Ça, là, c'est endroit harmonieux. Nous devrons veiller à maintenir l'équilibre. Donc j'aurai une salle pour l'ombre et la lumière. En fait j'aurai déjà ça. Ce sera déjà pas mal. Ça et ça c'est intéressant. Ouais, ça fait 500 d'arcane et mana. Dortoir. Foyer, ok.
Bon, alors je pars avec ça, vu que j'aime bien faire un peu mélanger. Ça ferait une maison, une deuxième maison, une troisième maison. Et du coup, en fait, ça me ferait une carte en plus. Ouais, parce que là, du coup, quand je vais créer mes maisons, j'aurai des missions à faire. Donc, soit le royaume qui va demander des sorciers, soit les orques qui vont me demander des sorciers aussi. Donc, il va falloir jouer sur les deux. C'est un peu compliqué, là. Bon. Voilà, on va partir là-dessus. Voilà. Du coup, là, c'est en pause. Donc, on va se mettre en pause. Là, c'est mes cartes que j'ai, donc qui me permettront d'améliorer mon école de magie qui se trouve sur cette île. Ça, c'est le bureau du directeur. Donc, on a là. Oh, bah, ça, c'est les élèves. Donc, ça me sert à rien. J'ai rien. La carte du monde, ça. C'est le règlement, donc discipline, voilà, si on veut modifier des trucs. Dortoir gratuit, dortoir payant, salaire. 6 pièces d'or, on va dire quand même 3 pièces d'or. Hein. Non. Réfectoire, repas payant. Inscription 15 pièces d'or. Ouais, pour le moment, on va pas toucher au règlement. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Statistiques. On va servir à ça après. Les classes et étudiants. Bon, pour le moment, on a la classe générale, donc standard. Je pense qu'on va rester sur une classe générale. Et on fera deux autres classes. Et deux autres classes sont avec les nouvelles maisons. Là ici, là ce sont les decks qu'on a qui nous permettent de piocher des cartes donc comme ici, soit un dortoir, soit une salle d'ombre, foyer, donc plein de choses, tout ça. Et ça coûte de l'argent. Là, la deck de base, ça coûte des pièces d'or. Là, c'est coûte 100. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Sans de nature, sans de lumière, etc. etc. Et là, en fait, c'est comment on va appeler ça là, pas la chronologie, le temps qui nous reste, en fait, avant que le mal nous attaque. Donc, en fait, ça va, la petite barre, elle va petit à petit se compléter. Et il faut qu'on prépare nos forces. Donc, il va falloir que nos étudiants soient bons, très bons. Qu'on va les envoyer, comme j'ai dit, au royaume, qu'on va les envoyer sûrement peut-être chez les orques, qu'on va faire des missions avec des aventuriers, etc., etc., etc. Donc il y a plein de trucs qu'on va faire, qu'on va voir petit à petit. Du coup, on va créer une nouvelle maison. Nom de la maison. C'est un truc avec la nature. J'avais dit que je voulais mettre la nature et la lumière ensemble. Donc on va mettre. Je sais pas trop quoi. On va pas mettre Arcane, Ombre et Alchimie. On va les interdire. Gourmet, la fin diminue 30%. Populaire. Disciple de l'ombre. Non. Ah, attends. Disciple de l'ombre, on va le laisser. Du coup, en fait, on va interdire tout sauf l'ombre. Tout château à prendre, le niveau 1, on va laisser ça comme ça. Vu que ce sont des trucs dans l'ombre, on va partir ça comme ça. Ah oui, là, on peut choisir, mais là, je vais pas m'emmerder. Hein.
On va juste changer un truc, on va appeler le nom de la maison. Alors là, franchement, je sais pas du tout comment l'appeler. Vu que ce soit les disciples de l'ombre, ouais, on va appeler Darkseid. Voilà. Donc ça c'est bon. On va faire une autre. Élu de la lumière. Bon bah voilà. Ah. Prends la magie de la nature. Prends la magie des arcanes et sage. C'est chiant ça. Là on va partir sur ça et... Alors, on va interdire tout et on va choisir élu de la lumière, enfant de la nature. Déjà nature et lumière. Et dans le général, je pense que je vais mettre arcane et alchimie. Comme ça, ça sera bien. Et du coup, vu que c'est le truc, on va appeler le truc Luminous. Allez, hop. Ça, ils font tout ce qui est nature et lumière. Dark Side, ça sera les ombres. Et la maison, là, le truc général, ça sera l'arcane et l'alchimie. On va faire ça. C'était où? Classe. Voilà. Classe générale, tu vas faire que l'arcane et l'alchimie. Élu de la lumière, enfant de la nature, touche à tout, disciple de l'ombre, et voilà. Comme ça, ça c'est bien. Ok, alors, là c'est l'entrée. Bon bah on va faire foyer. On va mettre le dortoir. Voilà. Attends. Foyer, on va le mettre au-dessus. Le réfectoire, on va le mettre là. Salle de l'ombre. Ah, je crois qu'on peut même pas modifier. Zut, c'est pas grave. Allez hop, salle de l'ombre, on va la mettre. On va la mettre là. Alors, on va choisir un peu nos professeurs. Loyal, Nut, Pédagogie, Ban, syndiqué, oui. Les élèves mauvais dans son cours apprennent 10%. Ok, professeur de l'ombre. Sympathique, gourmet, démoralisé, non. Ouais, on va prendre lui. Et on va faire la salle de lumière. On va mettre... On va la mettre là. Alors, neutre, mauvais, correct, syndiqué, non, syndiqué, oui, c'était quoi la différence? Ah, comme il est syndiqué, son salaire est plus élevé. Ponctuel, petit dormeur, exigeante. Mais non, je joue pas mal, bon, on va prendre lui. Et on va lancer le recrutement, bah du coup, des élèves. Alors, un peu long. Ok, augmente de 20% les gains d'or dus à cet étudiant. Neutre, Ah, apprend la magie de lumière 50% moins vite. Ah bah on va balancer dans les Dark Side. Hop, touche à tout, claustrophore, apprend la magie de l'ombre 50% moins vite.
Ah. Un peu long, neutre, pauvre, amorphe. Bon, bah, tu vas aller chez Luminous. Apprends, bon, brillant. Oh, lui, il va devenir bien. Brut, gourmet, disciple de l'ombre. Donc, apprends la magie de l'ombre. Tu vas chez Darkseid. Prétentieux. Allez, tu vas aller dans le général. Petit dormeur, social, gothique, médium, les gains d'or évoqués, stupide. Donc ouais. Bon, allez, tu vas aller chez Darkseid. Ok. On est parti. Donc on lance notre jeu. Donc ils vont arriver. Ils vont arriver, je pense, par là. Bah, allez, là. Là, je pense qu'on pourra peut-être mettre un truc. Je sais pas. Et du coup, je viens de voir que j'ai dans ma partie précédente, quand j'avais fait le test, c'était dans le village, donc ça a été rapide. Mais là, vu qu'il y a un monstre qui se promène dans le coin, je suppose que ça va nous lancer dans une quête secondaire. On va juste accélérer un peu là, parce qu'il y a le temps qu'ils arrivent. Hein. Voilà. Ok, deck de base, allez, qu'est-ce qu'on a? Psychologue, ah bah, nouvelle maison, je pourrais faire, mais ça me sert à rien. Ça me sert à rien parce que du coup, j'ai les maisons que je veux, donc c'est bon. Le personnage se dépasse bien plus rapidement dans cette pièce, ok, psychologue. Ouais, on va prendre le psy. Et, du coup, le psy, on va le mettre. Bon, on va le mettre ici, allez hop. Alors, même si syndiqué non, ponctuel, exigeante, peut dégager mauvais, aspirante, comique, tranquille, hypondriaque, ouais, tiens, on va prendre lui. Du coup, ça, c'est les petites quêtes qu'on a. Ça, on s'en fout, c'était pour un petit résumé de ce qu'on a. Ça, ça nous permet d'avoir d'autres étudiants. Donc pour le moment, on va pas le faire tout de suite. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Je dis ça, je dis rien, mais j'ai vu de nombreux éléments disponibles au fond du bruit et j'ai du mal à travailler. C'est très agaçant. Ah, il me faudrait des yeux partout. Je vais faire. D'accord. Ouais, mais moi je peux rien faire. Ouais, on est parti. On va recruter 6 autres, bah, peut-être 6 ou même pas. Chaotique, normalisé, passionné, apprend 25 plus vite, quatrième et dernier, brut, lâche, tu vas aller là-dedans. Disciple de l'ombre, allergique aux crustacés, prosaïque. Ah, magie des arcanes, donc. Loyal, mauvais, malin, médium, ouais, bah, disciple de l'ombre, tu vas aller chez Darkseid. Loyal est bon, malin, riche, inébranlable. Tiens, tu vas aller là un peu, chez Luminous, orphelin. Ouais, d'accord, lâche. Prosaïque, normal, aisé, bah tu vas aller. Peu chez Luminous, enfant de la nature, oui. Un peu lent, bon il est riche, chaotique. Tu vois, il est ici, peu de dormeur, amorphe, glouton, chaotique, neutre, malin, riche. Tu vas aller là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bibliothèque. Chaleur sorcière.
Ah, on va prendre celui-là. En attendant. On va accélérer un peu le temps. Hein. Comme on voit, il y a la barre hein, qui fait petit à petit hein, qui se remplit. Ah, on a une quête. Salutation royale. Ah, une nouvelle école pour mon royaume. C'est une très bonne chose. Ah oui, une très bonne chose. Et je suis d'ailleurs prêt à vous aider. Car je suis un roi bon et juste. Que désirez-vous? Pièce d'or, non, c'est bon. Recevez une carte choisie parmi trois. Oh, tiens, vas-y. Ah, atelier d'enchanteur. Concierge, reine des assassins. Mais on a déjà l'ombre, la lumière, il nous faudrait ça pour pouvoir améliorer les arcanes et l'alchimie. Donc on va faire ça. Lui, qu'est-ce qu'il y a? Salutations de la guilde des aventuriers. J'ai trouvé un peu de temps entre deux tueries de trolls pour venir vous saluer. C'est gentil. Une nouvelle école de magie est toujours une bonne nouvelle pour nous. La guilde des aventuriers, quel genre de mage vous formez? Des mages capables de soigner, on manque toujours de bons soigneurs. Des mages qui font exploser des trucs, une aide indispensable pour vos prochains raids. Des mages habitués à utiliser des bagues magiques, c'est important. Les aventuriers, je pense que c'est... On va mettre bon soigneur. Apparemment, on reçoit une carte, mais je sais pas ça va être quoi. Ah, lit médicalisé. Un peu d'or à l'école, ça peut toujours être efficace. Et voilà, prendre un petit lit médicalisé, puis on va le mettre. Tiens, ah, c'est pour mettre dans un dortoir, d'accord. Voilà, comme ça, celui-là il est là. Là, j'ai mon atelier d'enchanteur aussi. Alors, on va le mettre. On va le mettre où? Je le mets ici, enchanteur, ou je le mets là? Je vais le mettre là. Et du coup, on va pouvoir commencer à voir un peu le niveau des arcanes et d'alchimie. Alors, chaos, mauvais, pédagogique médiocre, syndiqué non, pédagogique sympathique, ventre bandit. Syndiqué non, les sympathiques. C'est juste la fin, oui. Pédagogie correcte, neutre. Allez, on va prendre lui. Je vais... Ça, c'est ça. Je vais voir un truc. C'était où? Ah bah tiens, lui. Monastère d'inquisition, camp des orques, Montorco, marchand, cimetière du coin. Ok, toi. Possédez 25 pièces de piocher la carte du bûcher, recevez 4 points de prestige. J'ai pas ce qu'il me faut. Ah, salutation du villageois. Bonjour vous, on est les gens du coin, nous en avons pas de problème chez nous et on aime moyen les étrangers. Vous venez faire quoi ici exactement? Vous avez que la magie sacrée en accord avec les préceptes de l'église de la lumière, suivrez-vous. Notre école forme avant tout des sorciers spécialisés dans les soins pour les animaux. Et rassurez, notre école forme avant tout des sorciers spécialisés dans la... réputation avec la faction du seigneur du mal. Non, bah normalement on est contre eux. F
Faction acquisition, et là on a 110 de mana. Réputation avec les paysans, plus 10, mais là on perd moins 10 avec l'inquisition, mais on gagne 125 de lumière, et là on gagne 110 de mana de la nature. Et j'ai toujours pas eu de truc pour piocher les cartes, mais du coup il m'en faut un, parce que là j'ai rien pour la nature pour le moment. Donc on va faire ça, voilà, ce qui me permet de piocher ça. Une serre. Non, mais ça voilà. On va faire ça tout de suite. On va mettre une serre. Ah, je peux pas encore mettre la serre. Dommage. Là, qu'est-ce qu'on a? Gothique. Pour la magie de lumière, 50% moins 8. Brillant, les riches, courageux. De toute façon, toi, t'es gothique, donc tu vas aller ici. Gourmet, ringard, pauvre, brillant, augmente un gourmet, ringard, brut. Non. Normal, aisé, érudit des arcanes. Ah, ça c'est bien, les machins. Pour la magie de l'ombre, 50% envie. De toute façon, t'es érudit des arcanes, donc tu vas aller dans la classe générale. Apprends l'alchimie aussi, courageux. Normal, pauvre. Ah, ouais, je te le prends quand même. Et du coup, petit dormeur gothique. Donc là, magie un peu lent. Aisé, loyal. Bon, tu vas aller chez Darkseid. Ok. Du coup, ben, on a fini hein, pour cette. Petit épisode là, le premier épisode où on a commencé à construire notre école. Du coup, on a quoi? On a juste une truc de l'ombre. On a une pièce pour la lumière, une pièce pour l'ombre. Normalement, on a une pièce aussi qui est là pour l'enchantement. Ça, c'est la salle de la lumière. Ça, c'est la salle de l'ombre. Ok, donc on a ombre, lumière et l'alchimie. Donc il va falloir que je fasse ça aussi. Bah, de toute façon, on va créer là un peu partout hein, des pièces. On a une serre. Pourquoi la serre, je peux pas la mettre. Attends, on va juste faire ça. Non, je peux pas la mettre tout de suite. Bibliothèque. Ah oui, c'est vrai que j'avais bibliothèque. Bah tiens, on va mettre là où... Putain. On va augmenter la lumière. Donc là, on est bon. Logiquement, ça devrait le faire. Du coup, comme je disais, on va s'arrêter là hein, pour le premier épisode. Hein. Pour le prochain, on va continuer à augmenter notre école de magie, en espérant qu'on commence à avoir des quêtes un peu partout. Des quêtes à envoyer du monde à droite à gauche. On a la jauge là qui monte un petit peu là. Je sais pas moi, je dirais 5% même pas. Hein. Et du coup. On continuera dans un prochain épisode, hein, comme je disais. Bon, en fait, je me répète deux fois la même chose, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao à tous.